comment ça lag? Oh pétard. Oh comment j'ai dodge? Mais c'est injouable frère sur le PBE. Je mets mon perso. Il bouge, on dirait Tom Sawyer. Équipe. What? Oh non. Je suis mort. Je ne suis plus mort. Attends, pourquoi je vois la pink? Pourquoi je vois la pink? Pourquoi je vois la pink? Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah bah tu... Comment j'ai vu la pink? Comment j'ai vu la pink? Mais la pink elle est de l'autre côté du mur. En mode il y a un trou ici. C'est bon, on arrive à les fumer un peu. Ouais, reste tranquille, Signora. Voilà, reste... Reste calme. Putain, il est tanky. En tout cas, je vais avoir beaucoup d'attaques speed, ça va être tellement dur à gérer, les frères. Non, il y a des portails, jure. Ouais, c'est bon, les gars. What? Attends. What? Comme ça. Gratuit. Attends, y'a un CD ou quoi? C'est une blague, mec. Ah, mais c'est que d'un sens. Ok, c'est un sens, genre. Hein? Attends, y'a ça, là? Mec, attends, mais... Genre là? Ok, bon, on a un problème. Oh, j'ai utilisé le petit mur. Vas-y, je vais forcer le fight. What? Ça m'a... Par contre, c'est... Ah ouais, on est sur un... aucun mécanique, là. Ah ouais. Oh, il nous a fait une Keyblade. Incroyable. Attends, mais ça marche dans les deux sens. What the fuck? Ça marche dans les deux sens. C'est quoi ce skin de Yasuo? Il est insane. C'est Yasuo... Dream Dragon. Mais gros, regarde ça! J'ai traversé la river! Non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi! Ok, je suis mort. Ils ont une prime sur ce tour, with the 300 bounty. Mais attends, mais toutes les tours ont 300 bounty. Alors si vous voulez savoir combien de gold la tour vaut, donc déjà vous savez quel objectif il faut ping en regardant sur la minimap. Vous voyez là, sur la minimap, c'est entouré en doré. Et ensuite vous pingez l'objectif en question, donc là on a ping la tour, 300 bounty. Ils sont à la son Z donc ça sert à... What, c'est quoi ça? Regardez tout en bas. Ok, j'ai trouvé. Les gars, tout en bas à droite. Allied, objectif bounty, d'ennemi, vous receive une of Tower, Dragons, Rift Herald, and Baron. Ah oui, donc là c'est la street quoi. Là ils ont tout. Putain, comment il est stylé ce Drake. Il est trop stylé ce Drake. On l'a vengé, c'est bon. Pour essayer de voir un peu la range. J'ai pas assez de stack là. Prestab. Y'a quoi sur table? What the fuck? Ok, j'ai rien dit, c'est sur... What? Donc on a le nombre de tours, le nombre de Drake, le nombre de... d'objectifs sur le pit du Nash. Donc que ce soit... Nash ou Herald. Et du coup là on voit les bounties. 350, 500... Ok. Donc les intérieurs... Enfin les extérieurs c'est 350. Les T2 c'est 560 je suppose. Celle-là, ça fait 3, 4, 5, 6. Non, mais en fait, il me faut 3. C'est trop. C'est trop dur. Il faut que je prenne encore plus d'attaque speed.
c'est un truc de fou. On peut pas tous utiliser en même temps. Il y a un tout petit temps de CD. Backdoor, j'avoue. Attends. Attends, quand c'est rouge, c'est qu'il y a des ennemis qui l'ont utilisé ou... C'est quoi dedans le CD? Oh, y'a un mec. Y'a un mec. En fait, les portails vers la base, ok, donc ceci, ce portail-là, donc il y en a quatre, hein, celui-ci et celui-ci, ne vont que dans un sens. Ils sont unidirectionnels. Alors que, du coup, les quatre autres portails de la map, non, les deux autres, pardon, il y en a que deux, donc ils traversent la rivière en bas et en haut, ces deux portails, eux, ils sont bidirectionnels. Oh, il nous la faut tellement gros. Tout ce qu'on veut, hein, là, les cinq joueurs de notre équipe, tout ce qu'on veut, c'est cette soul. Oh, bon Dieu. Attends, il faut qu'on meure, je crois, pour l'activer. Ah non, c'est le statique. Oui, c'est le statique. Ok, on a le statique. Alors regardez ce que ça fait. Ça va slow. Regardez. Bam. Là ils sont tous slow. Oh, je l'ai niqué. Alors attends. Ça fait des dégâts hein. Ah, ça fait des dégâts, regardez. C'est un statique en fait. C'est un statique qui slow. Voilà, ça donne ça les gars, c'est ça donne. Des dégâts en zone, donc c'est un statique, qui en plus slow, de, donc sur 2 secondes, et ça dépend de, du coup si vous êtes melee au range, ça scale en fonction des HP, de l'AP et de l'AD, donc un peu de tout. Voilà, des stats que vous avez, donc plus vous avancez dans la game, plus ça va slow. Là actuellement, moi c'est 39. On va aller tester un petit peu cette lethal tempo. Et bien entendu, je vais utiliser ce Q-Click, j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser, c'est pas mon... Moi j'utilise celui-là, là. Et j'en ai besoin pour vous afficher la range, c'est parti. Hein. Ouais, ça a augmenté. Ah non. J'ai vraiment besoin de Lulu. Trop dur, hein, c'est trop dur. Est-ce qu'il y a des nouveaux... Là, on a des C, il n'y a rien qui change, les gars. T'as enfin. Comment la game s'est finie aussi vite? Je te jure que j'ai une veille de regarder moi. Mais sur le PVE gros, rien à foutre. What? Attends, fais le tour, non, fallait attendre. Qu'est-ce qu'il fout là? Il y a Merdinger, il attendait ici. Merde, bon. Ok, on a un petit souci, les gars. J'ai pas la range. Bon, on est foutu, hein. Je vous le dis, c'est une catastrophe. Ah, faut me laisser. Pour le moment, on a exactement les mêmes Drake que la game d'avant. C'est-à-dire un Ocean Drake, en first. Yes. Oh la pauvre, je pense qu'on push ça en back limite. La veine a déco, t'es la veine a déco. C'est déconnecté. 0-2 à 2 minutes, elle a fait non, j'en ai mort. Ah bah, il est mort. Je pense que c'est un peu risqué. Ah, j'ai plus de support les gars. Les plaques. Je vais s'en sort. Mais non, ah bah non. Les Merdinger. Je crois qu'on envoie même au Wands maintenant. Oui, d'accord, allez hop. C'est vraiment très très dur de jouer sur PB avec les lags. Hein. Si vous sentez que je joue différemment, que votre streamer il est un peu plus éclaté que d'habitude, genre je peux avoir du mal sur des... Move un peu bizarre ou quoi, c'est parce que j'ai du lag. Il y a 150 ms perma sur ce serveur. Ok, 1v1. Bon, chaud, hein. Oh. Avec le lag, ils sont vraiment trop nuls, nos fights. Les fights sont trop nuls avec le lag. Ah, il a flash. Il y a rien à faire avec le lag. Oh, oui. Let's go! Le bruit que ça fait? What the fuck? Alors attendez. Donc là,
Non mais c'est énorme. C'est énorme comme zone, c'est abusé. Là je suis invisible. Je suis invisible. Je suis invisible. Je suis invisible gros. Je suis dans leur jungle, je suis invisible. C'est énorme. Enfin c'est trop grand comme zone. What the fuck. What the fuck mec. Je te jure qu'on va la récupérer cette soul. Je te jure qu'elle est pour nous. Ça pop, regardez. Turret plating has fallen. Objectif. Ok, les gars. Les objectifs bounties, donc les primes d'objectifs, ne sont disponibles que après la tombée des plates. Voilà, donc attention, c'est pas l'early game, attention. C'est après 14 minutes. Voilà, donc ça pop à 14 minutes. Info intéressante à savoir. Putain, ils ont tout ça. Mais c'est normal, vu qu'ils ont un AFK, ils ont des bounties de fou. Maxé à mort. Y'a plus de bouche. Non, y'a plus de bouche. Attends, mais. Y'en a encore dans la river, mais dans la jungle, y'en a plus. Si, y'en a encore là. Ça dépend des zones. Mais dans les zones, il n'y en a plus, ouais. Là, je suis invisible, là. Dis-toi, je suis invisible. Regarde, gros. Ah, on se voit quand on est... Ça, c'est marrant, ça. Ok, c'est marrant. Là, on se voit quand on est proche. Mais typiquement, en fait, là où c'est très intéressant, c'est que si vous mettez des wards normales, vous ne verrez pas les ennemis. Donc, les wards, faut les placer sur les entrées. Genre, typiquement, là. Comme ça, vous voyez un mec rentrer ici. Ou là. Vous voyez un mec rentrer ici. Mais du coup... C'est là où ça devient super intéressant parce que tu peux dodge les wards. Genre typiquement, regarde, tu vois, si les ennemis ward ici et là, tu peux faire tout le tour, passer au niveau des golems, et si t'as un perso à dash, donc un Lucian, un n'importe quoi, tu traverses les golems. Je parle de ces deux entrées, hein, n'importe quoi, bref. Et voilà, et là, hop, du coup, t'es invisible et tu peux contourner certaines entrées et certaines wards. C'est intéressant. Très intéressant. Ok. Oh, il nous faut la soul. Oh, j'espère ils vont pas FF. J'espère ils vont pas FF. Non, mais parce qu'on les a trop tués. C'était sûr. C'était sûr. Ah, j'ai troll. On a tous troll. Bon, du coup, ils ont FF avant. On n'a pas pu voir la soul en action. J'ai fait plein de parties. On n'a jamais réussi à la voir une seconde fois. Donc, je vous montre quelques footage de Vandiril, dédicace à lui, qui vous présente du goût. La soul, donc comme vous le voyez, dès que vous mourrez, en fait, vous réapparaissez sous forme un petit peu de passif de Sion, mais... Vous pouvez utiliser vos compétences et après vous mourrez très rapidement, c'est comme un passif de Sion. Voilà les gars.